Hello, comment oui? Pas oublier abonner à channel là si vous pouvez faire ça et like vidéo sur mes travail là. Pas oublier que objectif là c'est permettre que plus monde apprendre une profession capable pour toute la vie sans ou pas aller à l'université pour apprendre. Seulement ou besoin quatre vidéos et mettre ça en fait en pratique. Merci. Dans la vidéo, ça, je vais expliquer la structure page HTML là, et je vais repasser sur différents tags qui composent. Premier bagage, je fait, m'a ouvrir le dossier que j'ai créé avec l'éditeur de code qui est Brackets. Je retrouve vraiment dans le fichier que j'ai créé qui est index.html. Ok, m'a rappelé nous dans l'actualisation HTML 5 là, lui demander pour tout document HTML. Yo, commencer avec une instruction qui c'est doctype HTML. Instruction ça, lui permet que quel que soit navigateur nous ouvrir page web nous pour l'identifier lui comme un document HTML et navigateur la lili et comporter lui dans façon ça. Deuxième barrière qui vient, c'est tag principal là qui c'est tag HTML. Rappelez-nous que tag HTML là lui-même lui permet de nous diviser ou bien sectionner page web noire en plusieurs parties. Et si nous prenons un exemple bien simple, même si nous avons une tête, un corps, un pied, eh bien, tag HTML là, lui représente de façon ça. Il y a une tête, un corps, un pied. Comment on dit tête en anglais? Head. Dans tag head là, nous avons écrit seulement information qui est relative avec page web nous. Le nous parlons de information relative, nous pas mettre contenu directement en dans tag head là. Tout contenu n'a mettre en dans page web nous c'est en dans tag body. OK? Dans tag head là, il y a un tag qui populaire que yo utilisé en pile, c'est tag title. En français qui c'est titre qui permet nous écrire titre page web nous dans onglet navigateur. OK? Et pour m'a fait un bagage bien simple, m'a divisé comme en deux, m'a mettre li en parallèle ensemble avec navigateur pour moi ka wè ça m'a fait dans browser directement. Là nous parler de browser, nous parler de navigateur. OK. OK. Jusqu'où y a là, page web nous en vide, li pa gen rien dedans. Nous dans onglet adresse IP machine moyen. Qui ça veut dire? Ça, c'est direction côté dossier index.html là, li logé en dans machine moyen. OK? N'a commencé par écrire dans tag title là. Qui titre n'a bay page web nous en a exemple ça? M'a prele li web agency. OK? Si n'a remarqué automatiquement, ou pas ou adresse machine moyen en anglais encore, ou est directement titre page web là. OK? C'est wall ça. Tag head l'enjoué en dans li pour nous mettre titre page web noir en dans tag title. OK, m'a rappelé nous et dans langage informatique tout terme toute expression c'est en anglais. Oui, OK, faut que nous fait très attention avec ça. Si ou fait pas erreur ou pas écrit titre title là bien ou écrit une autre parole, eh bien navigateur pas reconnaître en tant que titre. Par exemple, si m'effacer et si en place T à mettre DT. OK, automatiquement si ouais il pas reconnaître li en tant que titre. OK, il mette li dans contenu page web noir. OK, donc nous faisons très attention avec tag yo. OK, l'autre tag qui vient c'est body. C'est en dans tag ça n'a pas écrit tout contenu web noir, que ce soit vidéo, photo, paragraphe, si c'est un blog, toute information en dans tag body. OK, l'autre bagage moi voulais parler nous, c'est différents tags qui existaient en dans tag body. OK, il y a un tag populaire que yo utilisé en pile dans tag body, c'est tag pi de paragraphe qui permet nous écrire paragraphe contenu. OK,
OK. Yon nan bagay mwen vle di nou, ankon, fòk nou byen indante kod nou yo nan editeur de kod la, le nan programme. OK? Ki sa sa vle di indentation? Indentation vle di premier tag lan ki se tag HTML lan, OK? Li suppose a gauche, OK? A gauche net. Tag ki an dan yo, OK? Suppose a droite. Sa vle di an dan tag HTML la, gen yon tag ki rele head, OK? Et an dan tag head la, gen yon tag ki rele title, OK? Si mwen ekri li kon si mwen mete li kon sa, OK? La le on moun ap li kod la, OK? Le on moun ap li kod la, la difficile pou li konprann kod lan bien, OK? Pou li interprete. Pa bliye ou gen dwa ap travay nan yon entreprise, se pa sèl ou menm ki gen misyon pou programme, OK? Se yo kontrate plizyon programmeur, OK? Pou yo kreye yon page web. Eh ben, le ou ekri kod yo an dezod, lot programme a ap gen difikilte pou li kod wa, OK? Se la importans indentation, fòk nou indente li bien, pou indente li avèk backspace, OK? Pou fè back, se avèk shift backspace, OK? OK. Et ouais, an dan tag pia, nou pral ekri paragraf 1. OK, n ap kopye li. OK. Si n ap fè yon remak, navigateur a rekonèt chak paragraf yo kom yon paragraf diferan, OK? Se pou sa k fè li mete yon an ba lòt. OK? Li pa mete yon a kote de lot non, li mette yon an ba lot, OK? Si mte vle, li mette yon a kote de lot, OK? Mte ap ekri, paragraf 1, OK? Si mte vle, li ekri yon a kote de lot, mwe tap ekri, paragraf 2, OK? Li tap mette l, menm à côté de paragraphe 1. Mais si moi vle navigateur li reconnaître li en tant que un paragraphe différent, OK? Moi supposé mettre li dans un paragraphe différent, OK? Et même je tout, moi t'ai mettre li bon côté li là, li t'a toujours reconnaître li en tant que un paragraphe différent. 4, OK? Ouais. 2 1 Ça, c'est 2. 3. 4. 5. OK? OK. You know lot tag ki popile an pil nan tag body, hein? Se tag hidden. Nan aktualizasyon HTML5 lan, li pèmèt nou utilize jiska H6 pou nou ekri tit an dan kontenu page web nou an, OK? Fòk nou pa mélanje tit an dan kontenu page web nou an avèk tit page web nou an, OK? Lè nou pale de tag hidden nan, li pèmèt nou ekri tit an dan kontenu page web nou an. Par ekzanp, an dan yon page web, ou ka gen yon tit ki se akèy, yon tit ki se kontak, OK? E page web ou an, tit li se web agency. Mwen vle nou fè diferans nan byen. OK? Nan ap ekri heading. Hein? HD. Nan ap ekri heading D. H3. Nan ap ekri heading H4 nan ap ekri heading 4 nan ap ekri heading 5 H6 Heading 6.
Okay? Moi, je voulais nous faire une remarque là, que tag hidden, là, le différent de tag pian. Ok? Nous, on a tag pian, il était écrit youn en bas l'autre, et il était écrit yo, même gens. L'aime parler de même gens, taille lettre yo, même gens, même grosseur. Ok? Eh bien, différence qui gagne dans tag hidden, là, ok? Il reconnaît tag H1 en tant que yon titre, yon grand titre, et tag HDA en tant que yon titre qui pi piti, yon deuxième titre, et H3 en tant que yon troisième titre qui pi piti, et en tant que H5 là, yon titre qui pi piti, et H6 là, c'est dernier titre là qui pi piti. Ok? C'est différent ça. Ok? Ça veut dire, dans yon page web, ou quand doit gagner yon gros titre, yon titre qui pi piti, ou utiliser H2, si vous avez un troisième titre en page web ou un, qui est petit, vous utilisez H3. Ok? Eh bien, c'est tout ça que je voulais montrer aujourd'hui. Hein? Ok? Merci parce que nous sommes là ensemble avec moi. Pas oublier, abonner avec la chaîne si vous pouvez faire, partager pour plus de monde qui a joué l'information. N'après, dans le prochain coup. Merci.